Ça y est, on y est. Depuis le temps qu'ils en rêvent, depuis le temps qu'ils en parlent, c'est l'heure de leur entrée officielle dans ce mondial. On se retrouve dans un instant à l'Al Bayt Stadium pour vivre ça ensemble. Tous les projecteurs sont braqués sur la pelouse de l'Al Bayt Stadium. Bienvenue à toutes et à tous. On a hâte que ce duel démarre. Pour commenter, la team d'Ada évidemment au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'Argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Da Silva. L'entrée en lice dans le mondial pour ces deux pays avec ce premier match de poule, et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. On ne peut pas être indifférent à un match de Coupe du Monde, tu as toujours les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux quand ça commence. On connaît leur grande agressivité au pressing. Agressivité, mais surtout efficacité, coordination, intelligence, capacité à se déplacer collectivement. Les voir presser, c'est un spectacle extraordinaire. Et c'est vrai que leur pressing haut, c'est de l'art. Les titulaires pour l'Équateur. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Et voilà, c'est parti pour ce match de poule de Coupe du Monde. Yaremchuk, ouais, une bonne charge, et la passe en profondeur, c'est dangereux, c'est un ballon intéressant ça, et ça passe, déjà le premier but du match, le spectacle est lancé, ça commence fort. La situation était très intéressante à 2 contre 1, regardez, on fixe et après quand tu le gères bien, le gardien il ne peut pas faire grand chose à part rester spectateur. Maintenant, il faut se demander où était passée la défense. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Zinchenko. Zinchenko. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Et voilà, ça sort en touche. Et l'équipe reprend la possession. Zinchenko. Excellente intervention. Ballon repris à l'adversaire. Très bonne couverture du ballon. Ah, dommage, il est signalé en position de hors-jeu. Et la passe est interceptée.
sur le côté, un bon coup à jouer peut-être. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, ballon pour une frappe. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doublé. Le corner. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Yaremchuk. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Oh, la tentative! Quelle puissance dans cette frappe! Et ça rase la barre! Un manque de lucidité sur cette transmission. Et l'arbitre, elle a vu la faute, mais elle laisse jouer. Et il y a un contre possible à jouer là. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Oh, le très mauvais tacle. Et attention derrière, parce que ça peut lui valoir un carton. Oh, carton rouge. Le match était déjà difficile, mais avec cette exclusion, on voit mal comment cette équipe va s'en sortir. Au contraire, c'est peut-être le signal de la révolte contre cette décision. Et la grosse intervention là. Oui, bien fait ça. Oh, le réflexe sur ce ballon. Pourquoi pas? Ça joue court. Il dépose l'adversaire là, un centre facilement capté, pas de soucis. Il y a un contre à jouer maintenant. Ballon perdu, c'est rendu même. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Attention à cette passe. Et attention, ça concède le corner. Et c'est donc une petite combinaison. Ouais, super, le ballon donné dans la profondeur. Oh, le but de l'égalisation! Ça les relance complètement et tout ça en infériorité numérique. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Puissance, placement, précision, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Et avec ce but, score de parité, un partout. C'est un but au mental pour reprendre l'avantage. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1.
Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Allez, ça presse bien. Sortie en touche. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. En bonne position là. La transversale remet le ballon en jeu. L'intervention de l'arbitre, c'est terminé. C'est donc la pause à l'Al Bayt Stadium. Allez, c'est reparti la deuxième mi-temps dans cette rencontre de phase de groupe de Coupe du Monde. Ce ballon est intercepté. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Et c'est un ballon qui est dévié. Corner donc. Le corner. Pour le gardien, c'est facile à gérer. Récupération du ballon. Ah, la frappe est contrée. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Excellente intervention, ça sort en touche. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Malinovski. Et bien joué dans la profondeur. Le tir peut-être pour égaliser. Et très bonne intervention du gardien. L'équipe tente une combinaison. Et c'est reparti. Au corner. Ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Le corner. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Et le dribble ne passe pas, le ballon sort. Et la jolie passe dans la profondeur. Et non, finalement, ça n'apporte rien.
Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Bon ballon, il faut s'appliquer maintenant. Ce deuxième but d'avance était tout proche et il leur ferait vraiment du bien. Attention à ne pas gaspiller des occasions précieuses. Malinowski. Ah, il faut apporter le danger. Maintenant, impeccable cette intervention. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Le ballon en touche. Le ballon pour Pervis et Stupiñán. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. Quel bombasse il vient de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Ballon capté sans problème. Sobol. Malinowski reçoit le ballon. Une balle jouée en profondeur. Allez, il faut s'appliquer sur ce ballon. Et voilà ! Bon passo ! Le retour dans ce match, encore un but à marquer, et c'est possible. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et il vient ouvrir tout à la défense. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Ah, le score est maintenant de 3 buts à 2. Attaque rapide pour essayer de rattraper ce but de retard. Ah, l'action se construit dans le camp adverse. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Ah, l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton, juste une petite remontrance. Attention, car ce sera sans doute la dernière fois. Coup franc lointain et plutôt bien tiré. Il passe très près du cadre. Hein. À cette distance, c'est déjà pas mal. Et un changement donc. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Ouais, faute, l'arbitre l'a vu, mais elle laisse jouer. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Bien parti dans le dos. Oh, le réflexe, l'égalisation évitée de justesse. Ce genre d'arrêt, il vaut un match tout entier. Ouais, c'est bien arbitré ça, il y avait une grosse faute au départ, et donc carton jaune. Plus beaucoup de temps, mais un bon corner pour peut-être revenir au score. C'est bien parti pour ce corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Le ballon est récupéré. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Ah non, c'est un hors-jeu là qui est signalé sur cette action. Il est un peu trop tardé à lâcher le ballon.
la bonne percée. Il faut aller provoquer. Attention! Le coup de sifflet final est dans le public, c'est la bronca, les supporters en veulent toujours à l'arbitre pour cette expulsion. Quand les passions s'en mêlent, quand l'irrationnel déborde, c'est difficile de rester objectif. Le public ne pardonne pas à l'arbitre d'avoir sorti le rouge. Ah, et en même temps, on peut les comprendre parce que ça a été le tournant du match.